plaisir, c'est comme on dit, c'est une responsabilité d'ouvrir un grand festival, surtout pour moi qui viens de l'Italie. Et c'est pour ça que je commencerai le concert avec des sonates de Domenico Cimarosa qui sont complètement inconnues ou méconnues. Et ça pour donner une chiffre stylistique à mon récital, comme je vis à Rome, mais je suis né à Naples, et Cimarosa était de Naples. Donc, ouvrir un festival français avec des œuvres d'un compositeur napolitain très, très peu connu, sauf par le matrimonio segreto, que c'est une œuvre, je suis très content et j'espère que le public aimera ces morceaux. Personne m'a amené au piano. On avait un piano chez nous et j'ai vu le piano et j'ai commencé à jouer et à déchiffrer les partitions. Avant de commencer à lire ou à écrire, lentement le piano a été, et la musique, pas seulement le piano, mais la musique a pris la place dans ma vie. Être musicien pour moi, c'est une immense fortune. Pas vraiment économique, bien sûr, mais une fortune de découvrir une quantité, une littérature et le monde à travers l'art. C'est quelque chose qui peut vous enrichir énormément. C'est l'instrument par excellence. On peut jouer toute la musique sur le piano.